世界を取るまで僕らは勝ち続けるんだ。ここに俺がいる限りゴールは許さん。Bonsoir tout le monde, ici N Bandicoot, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo invocation sur Captain Tsubasa Dream Team. Et oui, pour une fois, ce n'est pas Bleach qui fait la vidéo de fin de mois, c'est Captain Tsubasa. Parce que Shinny, bah, vous savez qu'il travaille dans la cuisine, il fait des horaires de taré. Et vu que c'est un lundi, bah, il pouvait pas faire la vidéo le jour même, c'était un peu compliqué. Du coup, c'est moi qui l'a fait sur Captain Tsubasa. Il y a 5 multis qui arrivent. Le portail, le Triple Dream Fest européen avec Pierre, Lévid et Napoléon. Trois blonds aux yeux bleus, est-ce que c'est le portail de la race aryenne? Je ne sais pas, hein. J'ai vu pas mal de gens invoqués, j'ai vu pas mal de vidéos, des screens sur Twitter. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont eu de la chance cette fois-ci sur ce portail. Dédicace à toi, Jolink, t'aurais dû t'arrêter après ton Napoléon, enfin ton Lévid. Parce que Pierre Lévid, bah t'étais déjà bien, ça c'est clair. L'état avec ton Napo, c'est cool, bien joué. Baf, pareil, t'as chaté avec Lévid, même si t'as eu un deuxième derrière, fait que tu t'arrêtes. Mais oui, non, clairement, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont eu de la chance. Donc j'espère avoir également de la chance. Moi, je dois vous avouer que bah, c'est maintenant ou jamais si je dois jouer Dibrouge ou pas. Parce que j'ai pas eu Misugi. J'ai pas eu Misugi World Cup, j'ai pas eu Akai World Cup. Je m'excuse par avance, je suis enrhumé. Donc il se peut que je renifle un petit peu pendant la vidéo ou que ce soit pas mal coupé. Si j'éternue, pareil, je m'en excuse. Ça m'a déjà flingué la journée, j'ai pas été productif à mon stage. Donc et là, je sais que ça va être tendu parce que quand je suis enrhumé comme ça pour tourner, ça va être très compliqué. Du coup, je retrouve tout de suite pour l'analyse des trois persos avant les invocations. Avant de commencer par parler des persos, j'ai bien entendu parler du ticket SSR qu'on a eu lors du bonus de co. Vous saviez, lors de la précédente vidéo, où il y a le guide justement du road. Déjà, j'ai réussi le road en entier. Le seul où j'ai galéré, c'est celui de Victorino et Ino. Sinon, tous les autres first try, j'ai pas trop galéré, franchement. Notamment les trois derniers niveaux, j'ai gagné 1-0 tranquillement à chaque fois. J'ai marqué très vite, puis après, j'ai zéré le résultat. Parce qu'en face, il y avait des Salinas hein, qui, au niveau 30 qui m'a arrêté, je sais pas combien de tirs. Au niveau 29, et pareil, au niveau 30, pareil, c'était n'importe quoi au niveau des arrêts. Mais j'ai planté le but qu'il fallait assez tôt, je devais gérer, donc le road c'était bien. Et concernant le ticket SSR, j'ai eu Robson, que je venais d'avoir, donc les deux derniers tickets SSR m'ont donné Robson rouge. Hein. On est bien, on adore ces tickets SSR qui nous donnent des vieux persos. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on commence par Pierre, le leader, un leader god tier des verts. Un personnage qui a trois positions, qui peut jouer milieu offensif, milieu défensif et défenseur. Moi, ce que je vous conseillerais, ce serait plus de le jouer défenseur, vous allez comprendre pourquoi. 1028 d'endurance, 17187 d'attaque, donc c'est homogène partout, mais c'est pour jouer milieu offensif, je trouve que c'est quand même pas suffisant. 5843 de dribble, 5382 de tir, 5962 de passe. Et quand vous voyez que sa stat de défense, elle a envie de le jouer défenseur. Hein. 19450 de défense, donc 6084 de tacle, 7528 de contre. Est-ce que ce pire est un contreur? 5838 d'interception, concernant ses stats de physique du coup, 17992, donc 5389 de rapidité, 6523 de puissance et 6080 de technicité. Donc ce que je disais, tout paramètre plus 10% pour les techniques, il a 3 skills, un contre S, une interception de rang A et une passe de rang A. Donc c'est à dire, bah, le skill farmable à passer 40, vous vous en fichez totalement. Et du coup, son passif, c'est tueur de type vitesse, toute stat plus 10% face au type vitesse. Alors juste petite info, le passif du Pierre Bleu qui est plus 30% quand all stat quand Napoléon est sur le terrain avec lui, n'est pas encore arrivé. Donc je ne sais pas, est-ce que ça va arriver cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de passifs qu'il faudrait qu'ils arrivent, notamment pour mon Brolyde, le plus 50% all stat face à Yuga, ça serait bien, merci. Parce que j'en ai marre que mon Brolyde soit une serpillière lors du PVP. Parce que normalement il devrait arrêter tout Yuga hein, avec son passif, voilà, ceci étant dit. Mais du coup, ouais, ce Pierre, clairement, moi si je le chope, c'est défenseur direct, parce qu'il a un contre S, il aura peut-être attaqué l'avenir, je ne sais pas, sûrement, vous les spécialistes de la JAB, vous le savez sûrement. Vous avouez que j'ai pas trop suivi de ce côté-là, mais non, clairement pour moi c'est plus un défenseur qu'autre chose, voilà, tout simplement, parce que c'est un contre, enfin contre interception, une petite passe. Ça vous permettra d'avoir un défenseur qui relance s'il récupère la balle en plus, donc c'est parfait.
Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire à quelle position vous pensez plutôt le jouer. Si vous jouez MO, bah c'est votre choix, hein. Je peux comprendre, mais pour moi c'est plutôt défenseur. Donc si vous avez plus d'affinité à dire ouais, j'ai envie de le jouer MO ou j'ai envie de le jouer MD, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et pourquoi vous voyez plus plutôt à cette position. Et comme d'habitude, je vais le faire en vidéo. Un maximum de pouces bleus comme d'habitude pour me soutenir, surtout sur une vidéo occasion. Si vous en voulez plus souvent, le petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen de montrer votre soutien. Deuxième personnage qu'on va présenter, le deuxième qui fait partie du duo français, Louis-Napoléon. J'adore son maillot sur l'artwork de la carte, franchement. Je sais plus si ça correspond à quelle version de la France, mais je kiffe ce maillot. BU, il a qu'une position, 1019 d'endurance, 19889 d'attaque. Bah c'est un pur neuf, hein, canonnier, hein. 5716 de dribble, 7939 de tir et 6234 de passe. Sachant qu'il y a une passe que vous pouvez farmer actuellement là, avec les modes actuels, bah foncez. Concernant ses stats défensives, 16576. Pour attaquant c'est vraiment pas dégueu, il est complet partout. 5826 de tacle, 5322 de contre, 5428 d'interception. Et du coup en physique, 18152 en stade général, 5482 de rapidité, 7190 de puissance et 5482 de technicité. Ce qui fait que, bah, en tir, vu qu'il a. Vu ses stats, bah, en tir, il va envoyer du gros pâté. Et concernant, du coup, ses leader skills, bah, pareil, God tier rouge, donc. Type force, tout paramètre, plus 10%. Il a un tir de rang S, le tir rafale de canon, de 415 de stam. C'est pas celui qui coûte le plus cher. Une retournée de rang S, retournée acrobatique, boulet de canon, 350 pareil de stam requis. Et il a un tag de rang A. Alors c'est peut-être pas celui que vous utiliserez plus souvent, et peut-être si vous voulez mettre d'autres skills, bah, c'est peut-être celui qu'il faudra sauter. Je comprendrais si vous sautez ce skill. Donc tag le A, 280 de stam. Et pour, comme passif, il a, si vous avez Pierre dans la même équipe, tout paramètre, plus 10%. Voilà. Donc en gros, si vous l'avez, jouez-le avec un Pierre, clairement, hein, je vous le dis. Surtout si par exemple, si vous n'avez pas eu Pierre vert, mais que vous avez Pierre bleu. Et que, quand son passif arrivera, bah, le pierre bleu il pourra suffire lui-même dans une team rouge, hein. Plus 30% all stats, et ça permettra d'avoir 10% en plus sur ce Napoléon qui a déjà des stats dopés au niveau du tir, et il va vous planter des gros buts. Dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, dernier des 3 persos du Triple Deep Fest, et deuxième God tier rouge, Stéphane Lévin, un des persos les plus complets du jeu que je vise depuis le début, parce que la globale a commencé un peu avant, je dois avoir le double Dreamfest où il y avait eu sur la Jap Lévin et Rivaol. Et franchement, ce Lévin me fait de l'œil depuis le début. 1011 d'endurance, c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus. Franchement, pour un tel perso, j'aurais pu voir un peu plus d'endurance. 18516 d'attaque, donc 5665 de dribble, 6707 de tir, 6144 de passe. En défense, 18480, il a 6401 de tacle, 5816 de contre, 6263 d'interception. Et en physique, il a 17538, donc du coup 5384 de rapidité, 6136 de puissance et 6018 de technicité concernant ses skills. Du coup, tout paramètre plus 10% pour tous les rouges. Le New Lévin Shot, Spé distance. Vous allez comprendre, de toute façon, tous ceux qui disaient sans savoir, ouais, la team bleue est largement au-dessus d'ailleurs. Vous allez comprendre votre douleur avec tous les rouges qui vont être spé distance. Vous allez comprendre la douleur. Peut-être que la bleue restera devant pour pas mal certains, enfin pour certains. Mais je vous le dis, la rouge c'est juste un bordel avec toutes les spé distances qu'il y a possible. C'est juste n'importe quoi cette team. Donc du coup, vous allez comprendre maintenant pourquoi on disait team rouge, team rouge, team rouge. Même si la team bleue est excellente, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il a un tacle à 80 et un dribble à 80, sachant qu'il a une passe B60 farbable. Donc, perso très 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 complet, si je peux l'avoir, ça serait bien. Parce que j'ai quand même envie d'améliorer mes rouges, ça c'est clair. J'ai une bonne base bleue, une bonne base rouge, sauf que j'ai aucun leader skill rouge, à part le 5% de Matsuyama World Cup, ceci étant dit, c'est un peu moche. Et du coup, son passif, tueur de type technique, donc un passif un peu plus classique, paramètre plus 10%, face à un vert, tout simplement. Donc je vous retrouve tout de suite sur le portail. Avant d'invoquer, je vous montre un peu les taux de drop des persos parce que c'est toujours intéressant. Donc, Dreamfest, 5%, SR garanti à chaque fois. Donc, si vous invoquez beaucoup, bah, ça vous permettra de monter pas mal de skills de rang A, notamment. C'est ça qui est bien avec les Dreamfest. Donc, du coup, les 3 bannières sont à 0,557% de taux de drop.
Et tous les autres persos, dont les autres Dreamfest, sont à 0,05%, comme vous pouvez le voir, là, Jito, Datuetza, Matsuyama, Diaz, Ido, Karls et Rivaol. Dédicace à Chili qui a invoqué, qui a malheureusement eu en 5 multi, je crois, deux fois Ido Gauthier doublon, enfin qu'il avait déjà. Avec un taux de drop à 0,05%, c'est quand même dommage. Il avait déjà Ido, il rechoppe deux fois avec un tel taux de drop, je ne comprends pas. Si c'était au portail précédent, j'aurais compris vu qu'il était bannière, mais là, c'est comme ça, c'est le jeu, il y a des fois où tu comprends pas, ça devrait pas être possible. Pareil, après c'est vrai que c'est un taux à 0,5%, mais j'en ai vu que certains qui ont chopé des doubles Levin, enfin des doubles pierres dans leur multi, enfin c'est comme ça quoi. On espère pas avoir ça, après bah si je le chope une fois ce serait déjà bien quoi. Bon allez, l'heure tant attendue est enfin arrivée. Je vous cache pas, si j'ai les yeux un peu défoncés, c'est que là je viens d'éternuer pendant je sais pas combien de temps et de boucher, donc je suis désolé de l'éteindre un peu, mais je vous avais prévenu, je suis enrhumé. Donc il se peut que je fasse des coupures entre les multi histoire de respirer un petit peu parce que là je suis en train de me retenir et c'est compliqué. Mais j'espère vraiment que bah, les multi vont me consoler. Allez, c'est parti, première multi, go. Fais-moi plaisir le jeu, commençons sur des bonnes bases. Allez. Désolé pour les reniflements d'ailleurs. Allez, alors 1, 2. Ah, ça sent la. Ah, flamme verte, ouais, bon. On va voir. Ah, les waifus, un SSR déjà. Est-ce qu'on aura plus? Non. À moins qu'un ballon se pète. On va voir. Allez, ça va être quoi? Allez, un des trois, s'il te plaît, ça serait bien. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. C'est de la merde. C'est de la merde. Gino vert, il sert à rien. Il sert à rien, j'ai déjà Waka World Cup en vert. Il sert à rien. Tant pis, il prend la place de quelqu'un. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon bah, première multi un peu cacarotte, je vous retrouve tout de suite. Juste petite info avant de faire la deuxième multi. Ce Robson peut être intéressant parce que pour si vous avez Brolin comme moi, il a le tacle puissant, donc vous pouvez donner à Brolin pour augmenter son tacle puissant. Donc, quitte à avoir des SR, autant avoir des SR tacle puissant pour augmenter le tacle de mon Brolin. Bon, là je dois vous avouer que j'ai l'impression que ma chance est un peu flinguée, parce que c'est un duo, mais ce gardien sert absolument à rien. Franchement, après je suis un peu passé entre les gouttes, j'avais que des gardiens utiles, il fallait bien que ça m'arrive. Bon allez, j'espère que ce sera pas le seul parce que sinon je vais bien chialer. Allez, on est parti sur la deuxième multi. Allez, s'il te plaît, un autre SSR. Parce que moi je considère que c'est un SR là ce que je viens d'avoir. C'est de la merde. Ça sert absolument à rien. Allez. Alors un. Oula. Ouais non, ça sent la multi cacarotte. Ça sent la multi dégueulasse. Ah non, waifu. Oh, j'ai rien dit. Wait. Alors combien? Un pour l'instant. Wesh, un corbeau pas d'animation et les waifus qui sortent de nulle part. Eh, sait-on jamais. Allez, on y croit. Allez. Oui. Yes. 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 Napoléon, bordel de merde. Ah, oh, c'est bon ça. Ah, ça, c'est bon. Oui. Ah oh là 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 là. On ne part pas fanny de ce portail. On a un des trois. Buteur rouge, un leader skill rouge. C'est nickel. Alors, est-ce qu'il y a eu un ballon qui se pète? Non, ça m'étonnerait quand même, mais voyons voir. Voilà, bon. Super multi. Là, clairement, bah, mon Dreamfest est déjà réussi. J'ai un des trois. Et puis, pareil, deux SSR en deux multi. Le taux de drop est ouf. Je suis à 10% pour l'instant. Et en plus, on récupère des SSR sympatoches. Notamment, ce gentil est là, pas l'autre, donne également un tacle puissant. Voilà, c'est la petite info... La petite info d'Ed Bandicoot, mais non, clairement, je suis très content. Napoléon, c'est ouf. C'est ouf. C'est génial. C'est... La chance est toujours là, ça fait plaisir. Je dois vous avouer. Mais non, franchement, je suis très content. On va continuer, parce que j'ai envie d'en choper un des deux. Si je peux avoir Lévide ou Pierre, dans tous les cas, ça serait intéressant, parce que si j'ai Pierre Vert, il ira avec Napoléon. Si j'ai Lévide, il ira aussi avec Napoléon pour la team rouge. Allez, on continue. Après, je devrais peut-être arrêter. Ah, je reviens parce que je dois vendre. Allez, ça y est, j'ai fini de vider ma box. Il y a pas mal d'entraîneurs qui sont allés sur Napoléon, du coup, ça tombe bien.
On va continuer parce que je pense qu'on aura pas mal d'orbes le mois prochain. Et je pense que on aura un triple deep fest le mois prochain, mais il sera beaucoup. Enfin, pour moi, il sera moins intéressant que celui-là. Parce que clairement, je vise une team européenne. Ça, c'est clair. Et on verra. Après, si je peux choper la prochaine multi, un des deux, j'arrête. Et comme ça, je coffre pour le Dream Collection de Gino. Parce que oui, là, j'aimerais bien l'avoir, Gino, dans le prochain Dream Collection, pour le coup. Ça, c'est clair. Mais du coup, là, on a déjà le Dapo, c'est déjà bien. On va continuer, j'espère que ce sera pas une erreur de continuer. Allez, troisième multi, c'est parti. Si on peut continuer à avoir un SSR par multi, je ne dis pas non, hein, parce que pour l'instant, on est sur une bonne base. Allez, flèche arc-en-ciel ou pas? Non, flèche dorée, rien, bon. Là, je pense que ça sera vraiment la multi Kakarot, faut pas déconner. La vie, c'est pas un film de boules. Voilà, c'est une multi dégueulasse. En même temps, vu la chance que je viens d'avoir, c'est normal qu'il en fait une. Allez, ça dégage. Est-ce qu'il y a du SR intéressant, moi, là-dedans? Oui, parce que on a encore ce petit Robson. On a également ce Jito, qui a le tacle puissant de mémoire aussi, voilà, également ici. Donc, pareil, encore une fois, du SR intéressant, tout n'est pas perdu. Allez, quatrième multi. Peut-être que j'irai pas jusqu'au bout, parce que je dois vous avouer que j'ai envie quand même de coffrer un peu de côté pour Gino Hernandez, pour le Dream Collection, parce que je pourrais pas... invoquer de feu de dieu non plus. Allez, donnez-moi un peu de chance. Surtout qu'il est déjà réussi. Si j'avais rien, j'aurais continué, c'est sûr. Mais là... Alors, attention. 1, 2, 3. Je sais pas pourquoi. Flamme violette. Ça garantit rien. Équipe complète. On peut peut-être encore avoir un SSR, sait-on jamais. Oh, ça s'est transformé. On a encore un SSR. Allez, les vides. Allez. Suspense, allez. Allez, au moins un news, s'il te plaît. Oh non. Ah non. Doublon d'Aturetsa. Ah merde. Allez, ah non, pas ça. Ah, t'aurais pu filer, je sais pas, moi, Jito, par exemple, que j'ai pas en god tier hors détecteur. Ah, quel dommage. Ah, c'est un des pires doublons que je pouvais choper, parce que c'est un god tier, mais je l'ai déjà. Ah, quel dommage. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, hein. Je vais pas forcer le diable. J'ai déjà eu 3 SSR en 4 multi. Là, je viens de choper un doublon. Ça veut dire qu'il faut pas que je continue. J'ai déjà eu d'Apo. Ça sert à rien de forcer, hein. Je suis pas aux Philippines, moi, donc faut pas déconner. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez eu dans les commentaires. Et moi, d'ici là, je vous dis Jubai Cyber.